Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. Dans la précédente vidéo, nous avons introduit qu'il nous fallait une fonction non linéaire pour être en mesure de prédire des relations non linéaires, justement. Parce que juste là, une relation linéaire, ça peut être une droite, ça peut être un plan, un hyperplan, mais il faut qu'on soit en mesure d'approximer des relations qui ne sont pas forcément linéaires. C'est pour cela que nous allons introduire une non-linéarité dans notre manière de faire. Donc, on aura des régressions linéaires ici, qui et plus une non-linéarité qui transforme la donnée, et on aura une dernière régression linéaire qui nous permet de faire la prédiction des, 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 des prix de maison, dans notre cas. On avait dit que la fonction liné non linéaire doit être dérivable, puisqu'il faut qu'on calcule les dérivées successives. La règle de la chaîne, vous connaissez. Il faut qu'elle soit monotone pour qu'on préserve l'information. Si A inférieur à B, euh, la fonction linéaire, qu'elle somme A, il faut qu'on garde le même sens, le même ordre. Et il faut qu'elle soit facile à calculer aussi. Et je vous disais qu'il y a une fonction, justement, qui existe, qui est simple, et qui a des propriétés très intéressantes, et qui fait le travail. Parfaitement. Cette fonction, on appelle la fonction sigmoïde. Et elle s'écrit comme ceci, θ de x égale 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Et cette fonction a une particularité, c'est que son résultat est entre 0 et 1. Ce qui fait que ça permet de jouer le rôle de normalisation en même temps. OK, des valeurs. Et vous allez voir qu'elle est dérivable en tout point. Et que sa dérivée est très, très facile à calculer. Donc, dérivée, facile à calculer et, et à mettre, à écrire en code également. OK. Et en plus, elle est monotone. Donc, nous allons voir à quoi la fonction ressemble. Avec du code, ok Comme d'habitude. Allons sur le notebook. Alors, j'ai déjà importé euh, non pas et matplotlib. Donc, écrivant la fonction sigmoïde, df sigmoïde de x. J'ai dit que c'était égal à quoi J'ai dit que c'était égal à 1 sur... Oups, j'ai dit que c'était égal à 1 divisé par 1 plus exponentielle. Donc, np exponentielle de moins x tout simplement donc ce que nous allons faire nous allons créer un grand x qui est une plage de nombres entre moins 10 et 10 avec un pas de 0,01 donc nous allons calculer maintenant le sigmoïde ok en faisant np en faisant plt.plot de ce grand x là et de sigmoïde de grand X comme Y. Et on peut faire un PLT show tout simplement pour voir à quoi ressemble cette fonction sigmoïde. Vous allez voir qu'elle a une courbe parfaite. Voilà, regardez. C'est super. Et ça nous permet de calculer euh, d'avoir les valeurs sont entre 0 et 1 déjà. OK. Et donc, euh, les valeurs qui sont négatives le sigmoïde est négatif non le sigmoïde est entre 0 et on va dire 0,5 environ parce que le sigmoïde est de 0 alors essayons de calculer le sigmoïde de 0 c'est égal à 0,5 donc du coup la valeur qui est négative le sigmoïde est, le sigmoïde est entre 0 et 0,5 vers la question positive, le sigmoïde est 1, 10, et 1. Donc du coup, ça, ça, permet de, ça permet de faire une normalisation très facile. Et la fonction sigmoïde est vraiment elle est vraiment parfaite pour apprendre des non-linéarités. Okay? Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir sa dérivée. Vous allez voir que c'est tellement simple à, à écrire du code qu'on n'aura pas vraiment beaucoup de problèmes à le faire. Allons-y.